Il y eut un jour où je me suis réveillée et où j'ai eu cette colère qui est montée en me posant la question que je trouve essentielle. Comment cela se fait-il qu'un attentat, qu'un carnage ait pu avoir lieu dans les locaux d'un journal satirique considéré comme site sensible ? Là, il n'y a personne, donc les gens, il y a un an, étaient agressifs, ils voulaient passer devant tout le monde pour prendre l'exemplaire, c'était la folie. Voilà, donc pas besoin de s'énerver, pas besoin de cacher le journal dans un sac, voilà. On se rappelle de ce qui s'est passé il y a un an, voilà, faut pas oublier, ça continue, ça s'est passé il y a un peu de temps encore, au mois de novembre. Oui, j'ai l'impression que c'est particulier pour leur dire qu'on n'a pas oublié ce qui s'était passé et que forcément on les soutient toujours dans leur démarche et dans ce qu'ils font pour leur magazine.